Bonjour, donc on va voir dans cette vidéo comment gérer la pagination dans un projet Symfony, dans une page Symfony 4. Donc là, on a trois produits. Donc on va faire le système de pagination. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller donc ici, dans ce tuto-là, d'accord? Donc ici, on va laisser, je suis allé ici. OK. Donc, la chose à faire, donc, c'est, on va faire Composer. On va aller ici, CTRL-V. On va lancer ça. Donc, ça va. Donc, je l'ai installé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là? On va aller, on va créer un fichier qui s'appelle QMP Paginator YML au-dessous du config package. Donc là, on va aller ici, on va aller dans config package, config package, on va créer un fichier qui s'appelle QMP Paginator. CTRL-V. Et dans ce fichier-là, on va copier ce code-là. CTRL-C, on va aller ici et on va copier ce code ici. CTRL-V. On va mettre la page de 2. Alors c'est tout là. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on a bien fait ça. On va configurer notre pagination, d'accord? Donc, pour configurer notre pagination, on va ajouter ce code. Je vais ici, dans ma page, dans ma template, je vais faire ça pour le produit. Dans la page index, dans le contrôleur supplé, je vais aller dans mon contrôleur produit, là, et là, je vais faire ça. D'accord? CTRL-V. Donc, on va faire All produit, paginate, on va paginer, donc là, on va l'appeler, hein, si je vais changer là, All produit, et là je vais mettre produit, et là je vais mettre All produit. D'accord? Et là, on va se dire, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis la liste des produits dans un paginateur. Ici, je vais afficher deux par page. D'accord? Je vais enregistrer tout là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc, si je regarde ici, qu'est-ce qu'il fallait faire? Donc, juste, là, ça va. Donc, dans ma page, je dois juste la partie navigation. Donc, ici, CTRL-C. Je vais aller à ma page index.html.twig, index.html.twig pour produit. Donc là, je vais aller juste là, CTRL-V. Donc là, on va le faire ici, CTRL-V. Et là, ce que je vais faire, c'est produit, CTRL-C. CTRL-V. OK. OK. Donc, si je fais maintenant. Donc, je vais faire ici. PHP. Bin. Console. Donc, voilà. Je fais ça. On va lancer ça. Là, on va aller ici, on va faire produit,
entrée. Donc là, undefined variable paginateur. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il manque? Il manque les lignes. D'accord? Donc là, en principe, si je vais ici, il y a une ligne qui manque. C'est ça. Là, on va changer ça, donc on va mettre, on va corriger ici, donc on a ajouté this get campy paginator paginate la liste des produits, et on va tester, d'accord, ici on va mettre le produit, ok, donc là, il y a une faute, donc comment on va corriger cette faute là? Donc c'est simple, on va aller ici et on va enlever abstract control. On va mettre juste control ici et là control là. Ok, c'est tout. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va tester de nouveau. Donc, request ici. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc ici, on va ajouter request. CTRL-C. Et on va ici ajouter virgule CTRL-V request. On va tester de nouveau le projet. CTRL-C. On va relancer notre projet de nouveau. CTRL. D'accord, en principe là, ça va. Donc là, vous avez le système de pagination, ça marche. D'accord? Vous regardez bien qu'il a affiché notre système de pagination, il a affiché deux pages, deux produits par page. Ok? Donc, je viens ici dans mon code ici. Donc, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai affiché dans l'index. Donc, j'ai sélectionné les produits et j'ai mis ça dans un paginateur et j'ai affiché la liste. Donc, ici dans l'index que j'ai ajouté ici, dans l'index, j'ai juste ajouté ici, produit. Ici, j'ai ajouté, c'est pas dans user, c'est dans produit. Dans produit. J'ai acheté juste la phase de pagination. Ok? Donc, je pense que c'est clair. Donc, ok.